Et on est reparti. Pour du phénix. J'ai rajouté un... Je fais des modifications sur le micro. En théorie, le son devrait être mieux. Il y a moins de fond. Même si on avait extrêmement peu de bruit de fond. Mais là, il devrait plus en avoir du tout, en fait, quand je parle. Donc nous, on est là. On a crypte. On a de l'ambroisie. On va faire la crypte. Ouais, on va faire des quelques cryptes. Ça va nous permettre de récupérer des... Attends, c'est par là? Non, pas du tout. C'est le violet que j'ai mis. Ça nous permet de récupérer des éclairs. Parce que c'est vrai que ça serait pas mal d'avoir un peu plus d'éclairs. Par contre, elle est où la crypte? C'est pas la monture que je voulais faire. Map. J'attends que... Oh, il va vite lui. Récupérer de l'endurance, ouais, on a vu. J'en ai récupéré énormément en plus. Avec l'armure. C'est pas mal. Je pense qu'on a un bon... beau combo, là. Dire bonjour comme ça. De l'endurance. Non, c'est à moi. Ah putain. Un peu si ça marche. Je vois. Ah, on peut pas le voir en fait. Je pense que ça doit être que pour les boss, honnêtement. Ennemi unique. Ouais, ah, unique. Bah oui, unique, c'est ça. Oh, depuis le dé... Je suis sûr qu'il y a des gens qui disent mais unique. Ils sont uniques. Donc c'est des boss. Lol. C'est ça que ça veut dire. Je cherche des cailloux.
Bah, pas de canon. Nickel. Résistance. Fais-moi rêver, fais-moi rêver. Tir chargé inflige 150 à l'étourdissement et repousse les de petits ennemis. Tir chargé. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment utile? Faire ça. Attends, si tu me dis que ça fait vraiment 150 à l'étourdissement, parce que oui, c'est le mieux partout en fait. On va voir. On va voir. Attendez, moi je voulais faire la faille. Oh, m'a fait peur ce con. Ah ouais, ça les repousse. Ah mais ça, un truc qui pourrait être pas mal du coup, ce serait... on avait quoi comme habilité? Je m'en rappelle plus. Genre, on pouvait ralentir le temps quand on sautait, on pouvait faire plus de dégâts avec l'arc. Si on tape dans l'arbre. Ah. Oui, c'est mieux. Ok, ça marche. Pas taper. Non, on peut pas taper. Pardon. Non, on peut taper que les arbres avec des fruits. Ok, ça marche. On est où, là? Je crois que je me suis encore paumé. Je crois que je me suis encore paumé. Ouais, mais il n'y a pas de faille, là. Okay, je crois qu'on a trouvé une bonne méthode là pour récupérer les fruits là, les grenades surtout. Ça c'est bien ça. On a combien? 40. La faille.
Un caillou. Ah, pas de caillou. J'ai pas de caillou. Chier. Pas avec cela, c'est qu'il se déplace vite en fait. Que dalle. Il y a que de chi. Bon, on va aller faire à l'ancienne. Oh. Je me demande combien de dégâts ça va faire. 83 et il a la barre à moitié pleine. Bouge pas, putain. Je vais attendre que le bleu il arrive vers nous et puis on le défonce. Au moins lui il fera moins chier. Oh là là. Je sais même pas si on peut y aller dans cette faille. Je sais pas pourquoi il y a des cristaux et tout ça là. Si faut, on peut même pas la faire. Oh, ça prend trop de temps, on m'a saoulé. Bon, ça va. Ça valait le coup. Ça valait le coup pour les dégâts. Oh. D'accord, ça c'est la faille. C'est pas ça. Ok. Ouh, c'est peut-être une faille. Une faille haut niveau du coup. Non. Wow. Ah, ça tue. C'est marrant ça. Du coup ça sert à quoi de faire tout ça? Attends.
combien de coffres? On a un coffre, un truc, je sais pas. Un joyau et un éclair. Faut plusieurs boules ou pas? Je sais pas. Merde. C'est un peu étrange le puzzle, mais genre défoncer tout quoi. Catapulte. Ah. Je crois que j'ai réussi. J'en ai fait monter une là-haut. Je crois que j'ai bon. Là, c'est là-bas. Ok. Là, on doit avoir sûrement la porte de joyau, la larme, je dirais. Ok. Donc ça, du coup, ça doit être la partie difficile parce que c'est. On n'est pas obligé de le faire. Tout ce qui est optionnel est souvent beaucoup plus difficile. Ah, faut qu'on casse tous les coffres, enfin les coffres, les bois là. Faut que ça tombe peut-être. Putain, on a pas fini. Oh, pas mal. Putain, ça a marché. Ah, il est là-bas, là-bas la foudre. Attends, du coup, il y a quoi là? Ah, il est là le coffre. Ok, donc il me faut une boule. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ah mais attends, j'ai ça là moi. Merde.
Yes. C'est un peu farfelu, mais ça va. Ouh, laurier, un tanier. Ouais, c'était un peu farfelu la façon. Arc à 20 dégâts pendant 6 ans, 20 cas d'emploi de potions. Ouh. Ça peut être très très dangereux par contre. Genre n'importe quelle potion, c'est-à-dire qu'on peut pop une potion de dégâts, ça ferait 100% et là ça ferait 44%. C'est joli en plus. Ça nous ferait du 144% de dégâts. Ah ouais, mais du coup on peut pas utiliser ça. Mais ouais, non, juste en mêlée, ça peut être intéressant. Enfin après ça se base sur le spam de potions du coup, mais pas vraiment ce qu'on veut. Est-ce que je vais pouvoir y arriver? Non. Quoique. Ah ouais, non, on peut pas s'accrocher. Ouf, ouf, ouf. C'est vrai qu'ils reprennent les mêmes logiques que Zelda Breath of the Wild en fait. Où, dans le monde on peut s'accrocher partout, à n'importe quelle plateforme, mais après quand c'est des temples, on peut pas. Donc c'est le même système. Allez, tombe. C'est bien là, deux d'un coup. Presque. Yeah, let's go. Quoi tout ce bordel? Une boule ça? Où est-ce qu'on doit aller? Ah mais non, mais ça je l'ai fait en fait. Attends, il me manque un truc. Ah bah voilà ce truc-là. L'arme. Yes. À cet endroit, Phoenix trouva la larme qui avait marqué les derniers instants d'Adonis. L'amour que lui portait Aphrodite ne s'éteindrait jamais. C'est bon, on a compris. Elle était triste. Ah, même ça, ça me remet full vie, je crois. J'ai cru voir ma vie être pleine. C'était une aventure, dis-moi. C'est quoi? Ok. Non. Ok. Ah.
Des bestioles ou pas? Ne le faites pas là! Sous terre. Ouais. Nickel. Cherche des cailloux. Bon. Ça, on devrait le one shot avec la flèche. Quoique, ça fait mal, mais... caillou. Ah, là. Ah, trouvé. Attends. Ah, pardon, on pousse, on pousse. Let's go. Ça, on va pouvoir les prendre à un moment, je crois. On va pouvoir les attraper, même si c'est extrêmement lourd. Il nous en faut 10 des cornes de festivité. Il nous en faut 10 des cailloux, là, des pièces de carone. Une nombreuse larme versée par Brut à la mort d'Atomis. Bon, ça, l'énergie est complète. Ah! Ouais, bof. Ah non, nous c'est pas si joli. Mais nous c'est pas vraiment notre truc du coup. Sur l'énergie, on l'utilise tout le temps quoi. Mais on n'est jamais à fond. Par contre, je voudrais bien voir ce qui se passe là. Pas vu. Hey, les crabes. Si on pouvait prendre la boîte du coup, la grosse boîte, on la prendrait, on la balancerait sur eux, ça les tuerait. Ça one-shot serait peut-être le bleu. Peut-être. Bah, on peut toujours se les faire quand même. Après non, enfin ça sert à rien en fait de se les faire. Je suis sûr qu'il nous faut un pouvoir supplémentaire. Allez, on va faire ça. Je suis sûr qu'il nous faut un pouvoir supplémentaire pour pouvoir casser le sol ou un truc comme ça.
Ah, elle est là. Tout va bien. Là. Ceux-là, on les a. Hein. Ouais, ceux-là, on les a. Putain, ça tue! Enfin, littéralement. Aidez les animaux. Les portes en fait au bon moment. Alors là on a la foudre. On a le coffre. Et on a juste un coffre, ok, ça marche. Ah ok, ça marche. C'était limite. Je sais même pas si ça a marché. Non. Des aides. Merde, non. On connaît le nom des boules maintenant. Alors, ça fait quoi ça? Ok. Fait quoi ça? Wow! Je suis en train de faire les deux boules en même temps, je sais pas si c'est bon ou pas. Ah bah quoi que si, ça a l'air. Une. Oh merde. Oh. Putain la... Ok, ça marche. Oh putain, faut vraiment faire les deux en même temps en plus. Attends.
L'autre, elle passe. Nickel. C'est bon. Ça, c'était rapide. Du coup, je veux le coffre. Nickel. Pour hérisser. Ça va, on a pas mal de différentes armures là. Alors, réconstitution de 7% de fragments de santé en cas d'atteinte avec combo d'achèvement. Le combo d'achèvement. Genre le dernier coup. Ouais, bon. Ah, je dis pas non à l'efficacité du machin. Mais... honnêtement, niveau vie, on n'a pas vraiment besoin. Quoi. On a des potions. C'est très bien. Si jamais on trouve une armure, l'armure de la bête, un truc qui va avec avec notre casque là, on changera le skin. C'est vrai que je suis pas très fan en fait de l'armure de Typhon. Pas très joli. Enfin, quoi que. Ah, on s'habitue en fait. On a un autre coffre là. Ah, il est en dessous. Il y a cela, mais on l'avait déjà fait. Nickel. Merde. Oh, je fais mal. Merci. Comment? C'était pas une esquive parfaite, ça? J'ai l'impression que les... parce que là on est revenu... là on est au début là. Je crois que les ennemis augmentent avec notre progression dans le jeu. Ce qui est plutôt cool. Ce qui est plutôt cool du coup, comme ça on se fait pas chier.
peut-être là. Merde. 179, je sais pas si... Ah non, mais ça c'est là, on a le truc chargé. L'arc avec les trois flèches qui font plus de dégâts là. Je suis en train de me demander, est-ce que ça fonctionne sur les flèches d'Apollon? Ça. Avec les trois premières flèches. Avoir de la problème. Dans ma tête, je me disais, vas-y, essaye de me parer. Enfin, non, essaye de m'attaquer, j'essaye de te parer. Alors, comment on fait? On doit avoir un truc avec ses colonnes, peut-être. Coffre est juste à l'intérieur. Ok, alors c'est l'heure du puzzle. Ah, du feu. Non, des torchières, mais. Ah! Attends, je peux passer là. Putain. En théorie, je peux passer, mais je sais même pas s'il faut l'enflammer, mais... C'est ça. Ok. Je sais pas si on peut mieux diriger la flèche. Peut-être qu'il y a des pouvoirs pour ça. Nickel. Ça va. Ouh, pectoral de regard pétrifiant. Oh, cool. On a l'armure entière. Tu vois un peu? Ouh, c'est stylé. Reconstitution de 120% d'un fragment de santé lors de l'éternuement d'un ennemi. Ouh. Pas mal ça. On gagne un fragment en plus. Ah, intéressant. Ce serait stylé. Moi, je me dis que... On peut mettre ça. Ah mais attends, là je me trompe. Ça va avec avec ça en fait. Crinière de troupe. Je suis bête.
Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est ça. Hop. Comme ça, on a la classe. Mais donc là, on a de la défense. Parce qu'on est, quand on est à, contre plusieurs ennemis, c'est la merde. Là, on a le bonus de dégâts quand on fait de l'étourdissement. Parce que quand il y a plusieurs ennemis, c'est cool. Là, on se met avec ça. Donc, on a les ennemis indemnes. On a l'énergie parce qu'on fait beaucoup de cailloux, en fait. Du coup, on va mettre ça. Comme ça, ça va ensemble. On a un set complet. Et après, là, on n'a pas besoin de le changer. Ça, ça sera contre les boss. Il y a juste l'arc. Je sais pas si... Ça, ça marche sur les flèches d'Apollon. Pas complètement sûr. Nickel. Nickel, là je suis content. En plus on a la classe. Il y a vraiment rien à dire quoi. Oh merde. Ça c'est fait. Bernard, t'es passé où? Bon, je prends des plantes. On va monter. Merde. Ah! Faut pas utiliser des trucs. Des champignons et tout, parce qu'on en a tellement besoin pour faire des potions. Du coup, attends. Ouais, ça doit être en haut. C'est en, ça marche. Ah! Ok, cool. Ça a plus ou moins marché. Ça, on est un peu trop tombé, mais... Je suis au bon endroit ou pas? Rencontre avec boss légendaire. Prenez soin d'améliorer l'équipement, les potions et les aptitudes. Quoi? Comment ça, boss légendaire? Je viens juste de récupérer de l'ambroisie, moi. Je veux pas combattre un boss légendaire. Alors comme ça, Typhon a altéré le lion de Némée après que cet imbécile d'Héraclès, là, l'a dépecé? Tu sais qu'Héraclès, ayant compris qu'il ne pourrait le transpercer, le tua à main nue. Ça me semble logique. Héra avait lâché ce lion pour qu'il tourmente les mortels. Tu veux que je te dise? Parfois, j'adore cette femme. Je sais pas, si on teste ou pas? Si on teste, faudrait faire full potion, mais j'ai pas envie de faire full potion pour rien. Quoi, j'ai vraiment pas envie de faire full potion pour rien. Okay.
Ah, ça va, on peut se faire. Alors du coup, boss. Par contre, est-ce que ça marche du coup? On est à 132, 140, 16, 16. Ouais, non, je crois que ça marche. Si, si, ça marche. Truc unique là. Par contre, ça me paraît faible, 16. Voir ça. Attends, merde, je suis en combat. Oh là là! Attends, comme ça. Là, on est à 30 et 30. Ouais, non, c'est con parce que j'ai l'impression que ça marche pas vraiment en fait. Enfin, non, si, mais ça c'est trop puissant. Parce que ça c'est pas que genre quand la santé est complète, j'ai l'impression que c'est quand les blocs de santé en fait sont complets. Ou alors ça diminue. C'est pas genre 275% ou genre santé pleine et après quand on est genre à 99%, ça disparaît. Non, on a toujours de la défense en plus en fait. Donc, je vais pas dire, mais... Après, le casque, ça passe. Galage, dégâts à l'épée, ça, on s'en fout un peu. Dégâts dans les airs, c'est... Ouais. 22%. Non, à la limite, oui. Le... Par contre, ça, on va changer de skin. Voilà. On peut rester comme ça. D'accord. Putain, mais vive les skins. Oh mon dieu. Non, de sérieux? Ok, on va commencer à parer parce que... Il régène ou pas? J'ai l'impression de l'avoir tapé un peu plus d'une heure. Ouais, peut-être un compte parce que les parings on arrive bien à les sortir. Ouais, peut-être un contre avec la hache quand on parle, ce serait pas mal. Yeah. Légendaire lion de Némé. Il était pas aimé. Phosphore de foudre de Zeus, acquisition. Ah, mais on avait encore des cailloux.
On avait encore des cailloux un peu partout. Bon bah ça va, c'est cool. Notre équipement fonctionne bien. Mais encore une fois... Ça, c'est nul. Après, c'est quoi? Plus 2 supplémentaires à la jauge de combo pour comporter contre un ennemi unique. Ouais, bof. Bof, bof, bof. Et ça, ça serait plus 3 supplémentaires à la jauge de combo pour comporter contre un ennemi indemne. Oui, non, à la limite, ça, c'est inutile. Mais, ouais. Bon, ça, c'est bien. Ça, c'est mieux. Content de notre équipement. Attends, qu'est-ce que... C'est quoi ça? Phosphore de foudreuse, explosion de clones de phosphore et dégâts égaux à 468. Vous entendez un léger grésillement, pas de soucis, c'est simplement la charge électrique des ailes de phosphore, rien de grave. Ah, oh, c'est pas l'oiseau... Je crois que c'est ça, c'est l'oiseau en fait. Mais on l'a pas. On l'a pas encore. Phosphore, c'est l'oiseau qu'il faut sauver, je crois bien. Je crois bien que c'est l'oiseau qu'il faut sauver. Ah, attends, là c'est un autre... Un autre endroit, ça. Bon, on va aller au hall des dieux. Pour récupérer des... Enfin non, pour augmenter notre puissance. Si tu cherches à acheter quoi que ce soit, dis-le-moi. Tais-toi. Bien. Ce que je trouve intéressant dans le jeu, c'est que j'ai l'impression qu'on monte enfin, pas de niveau, mais de puissance assez vite. Ah merde, on en fait encore un peu plus, c'est chiant. Oh cool. C'est quoi ça? C'est une épée-épée ou alors c'est un skip? Non, c'est une épée-épée. Reconstitution 60% d'un fragment d'énergie lors d'un coup fatal avec combo à l'épée. Bon, elle est jolie, mais c'est pas vraiment ce que j'utilise. Et après, hache reforgée. Ça la change un peu, d'accord. Okay. J'aime beaucoup celle-là. Alors... Ça serait pas mal en fait d'augmenter tout ça. Alors, on va prendre déjà... On est déjà à 6. Ah non, ok, la potion déjà nous... Ouais, on va se concentrer sur cette branche-là. On va se concentrer sur cette branche-là qui permet de récupérer des HP pendant qu'on tape, parce que c'est tellement puissant. Yes! À 10. Ouh, que ça va faire mal. Oh.
l'haltérophilie. Plus 1, Ambroisie. Tu as de l'électrum qui te brûle les poches ? Ah, oui, c'est encore le fait d'avoir fini des trucs. Des quêtes, là. Super sympa. Bon, faudrait peut-être aller le sauver, le pigeon, là. Si on a qu'à faire ça, je crois que c'est dans la direction après. Ouais, le pigeon, c'est là. Non, ça, c'est la graine. C'est la statue d'Athéna. Ah ben, c'est la graine qu'il faut faire, je sais plus. Je sais plus. On va aller voir les coffres. Ah, les ailes sont stylées. Il faudrait qu'elles brûlent un peu. Ah, ok. Quasiment rien avec cette cendre et tout. Alors... 3 cristaux. On a 3 cristaux ici, donc il y a 3 choses à activer. Ah, là, j'en vois un. Chanter un tic-tac, me dis pas qu'il faut c'est géré par le temps. Là on a un feu à allumer. J'imagine qu'on peut utiliser celui-là. Non, il n'y a pas de tic-tac. Ah, ah. Je sais pas ce que ça a fait d'allumer la torche. On est allé à celui-là en face. Non, c'est un champignon. Ça, c'est peut-être par là. Hein. Putain, c'est quoi cet endroit? Ça, c'est ouf. Il y a des trucs de tous les côtés, mais... Incroyable ici. Ok, pas plume, pas plume. C'est quoi ça? Ah, il y a une faille là.
Je sais pas. Oh, caillou. Ouais, mais attends. Oh, c'est un peu compliqué. Pas compliqué, mais pas se louper, quoi. Trop loin, évidemment. Tombe pas. Faut un autre caillou. Là-bas. Je vais pas pouvoir. Ah. Quelle prise de tête. Oh, laisse-moi. C'est bon. On y arrive. On dirait qu'il y a plein de petits puzzles ici. Genre des coffres, des failles. Plein de trucs. Ah oui, un coffre. J'allais être un tout petit peu déçu s'il n'y avait pas de coffre. On peut améliorer les potions. Là, il y a plein de cailloux partout. Boss légendaire encore ? Je les collectionne, moi. On va peut-être pas en faire deux d'affilée, quand même. Qu'on est. Alors là, on a. Oh, on a une torche, il y a encore trois cristaux activés, ça marche. Là, il y a un truc. Balancer dessus ou pas? Je vais rouvrir ça là. Non. Où est-ce qu'on est? Ah! Deux. Putain, ça fout les boules ici. Rivière de slime. Comment je remonte là? Ça fout un peu les boules cet endroit. Pas très fun. Putain de merde.
Ok. Deux. Il faut un troisième. Oh, je l'ai eu. Où est-ce que je vais? Oh, là, là, là. Tout ça pour aller dans une faille. Je suis pas très fan. Ça va être trois crânes. Enfin, en difficulté là. Je le sens bien là. Ah non. Désarroi de Calliope. Marche. Ok, Cerbère qui tire des boules. Oh mon dieu, comment c'est grand! On a un coffre, hein, une larme et un. Quoi ça? Oh mon dieu, tu vas pas me dire qu'il faut que je les fasse dans l'ordre. On peut pas m'aider? Ah! Si, on peut m'aider. Enfin, je crois. C'est pas par rapport à ça. Et ah si, c'est par rapport à ça, ok. C'est ça là, les quatre. Ouh, je sens que ça va être relou les énigmes ici. Je sais pas pourquoi. Oh putain, la même chose. Non mais du coup par lequel je commence? Merde. Ah en fait ils sont c'est ceux qui sont à côté, qui sont côte à côte. D'accord, je comprends, c'est simple en fait. Pas vraiment ce côte à côte parce que les oiseaux ils étaient pas côte à côte. Enfin bref. Ça devrait aller. Tu vas pas me dire qu'il faut que je m'en rappelle. Ah si, complètement. Alors mon petit loup, tu vas te prendre un bon screenshot. Enfin une photo plutôt même. Alors, attends. Non mais ça zoome trop là. On va faire un bon... belle photo avec le téléphone. Bienvenue dans l'avenir. Bienvenue dans le futur. C'est bien ça, hein. Il n'y en a pas là. Ouais. Alors, par où on commence là. Yes. 1, 2, 3. 3. Ça serait en face, j'imagine. 2.
deux. Après, il faut en sauter un. Il y a celui-là. Après, c'est en face. Oh la vache, les dégâts que ça fait! Après, on en saute un. On fait ça et ça. Des gros dégâts, gros dégâts. C'est quoi ça? Ah, si tu crois que je vais pas refaire pareil et prendre encore une photo, alors là tu te fous le doigt dans l'œil. Bah après ça c'est pas très dur, putain j'ai pas pris de photo. T'es bon? T'es bon. Après c'est pas très difficile. Alors, deux comme ça. Après c'est un petit bonheur la chance en fait. Vu la zone. Oui, non, y a... j'ai mal pris la photo, c'est pas grave. Et du coup, ce serait celui-là, celui-là. Après, celui-là. Je sais pas, là. Comment on sait dans quel ordre il faut les appuyer en fait? Faut juste tester quoi. Voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Un peu au... c'est pas vraiment au pif, c'est... Ouais, faut continuer dans, la... dans sa lancée, en fait. C'est un peu étrange. Tiens, on a le... Ça, c'est un skin, par contre. Ça, c'est un skin. Ouais. Ça, c'est pas vraiment très très excitant comme récompense. Ah ah. Les larmes de l'amour sont les plus amères. Et aucune larme n'avait été aussi douloureuse que celle jaillissant du cœur brisé de la déesse de l'amour. J'avais pas besoin de me soigner. Oh non, je vais vomir, hein. C'est pas comme si Aphrodite s'était jamais fait larguer. Zeus, ce n'était pas une rupture. Il est mort. Je... Bon, d'accord. Bon, d'accord. Je crois que là on a assez pour avoir de l'énergie en plus. Je suis la vérité. Oh, calme-toi. La renaissance de ton monde. Ok. Je me demande quand il parle, ça veut pas dire que le monde change ou alors genre ça devient plus difficile. On dirait qu'il y a un truc là-bas, mais attends, je vais pas. Je... Ah, peut-être que. Attends. Je
On y arrive, on y arrive. On va récupérer ça. Offrande aux dieux, en fait. Ah, je comprends pourquoi maintenant il y a des grenades des fois, de temps en temps, comme ça. C'est parce que c'est des offrandes, tout simplement. La plupart du temps, elles sont à côté de statues et tout. Oh merde, c'est là le boss. Lieutenant Aello, la vive tempête. Après, on peut peut-être le défoncer. Hein. Et je l'ai défoncé ou pas? Ok, il s'est pris 800 dans la gueule, ça va. C'est pas mal. J'étais obligé de faire une attaque rapide par contre. Alors attends, du coup, là, toi t'es volatile. Dégâts aux ennemis uniques, et ça, ça fait 22, c'est pareil. Donc en fait, on peut garder ça. Ça marche. Bon, par contre, on n'a pas... Ah, salope. Oh la vache. Ah, je peux parer ça, ok. Merde. Ok, cool. Oh. Salope. Deux fois. Ouais, le 150, tu le sens bien. Hein. Mais putain. Ah putain, je fais pas attention. C'est sérieux ? Je crois que l'arc va vraiment nous aider. J'ai du mal à esquiver cette merde. Allez, yes. Thank you.
Peur, ce coup. Ah non, ça fait pas de dégâts, d'étourdissement. Ah mais j'esquive trop vite en fait, c'est ça. Quand on aura les habilités pour attirer, pour se projeter sur les ennemis volants, ce sera cool. Bon, on va le tuer. Ouf, ça va. C'est pas trop dur. Gagner des ailes. Si un satyre pouvait faire la fête dans les cieux, il utilisait ses incroyables ailes. Ah, d'accord, c'est juste un skin. Waouh, cool. Il y a des ailes mécaniques, quoi. Ça marche. Ça marche. Ouais, le coup du... Le coup du... Je sais pas. La hache. La hache pour... qui fait triple... Non, qui fait quoi? C'est quoi triple dégâts quand on est en l'air? Quand on tape en l'air? Pour éviter des dégâts triplés, combo aérien, vache, ouais. Ça... Plus la potion qui a déjà 100%... Ouais, non, franchement... Je pense qu'on combat des trucs... Enfin, qu'on arrive à tuer des choses qu'on devrait peut-être pas encore. Pourquoi on entend une harpe? Ah, oh là là. Deux, quatre, un, trois. Deux, quatre, un, trois. Elle est où la harpe? C'est la grande celle-là? Il y avait écrit grande, c'est ça, c'est bon, je dis pas de conneries. Deux, quatre, un, trois. Ouais, c'est ça. Plus 4. Faire des potions. Il y a une crypte qu'elle va faire. Il y a une faille. Elle est où? Elle est là. Nickel. Ah bah tiens, il y a l'autre. On peut lui parler ou pas? C'est elle qui nous a donné la bénédiction. On
On a dû nous l'expliquer, mais j'ai pas dû. Parfait. Tada. Ah, 38, ça va. Je vais essayer de d'économiser les grenades. Parce que c'est quand même mieux de créer des potions en fait. Pardon. Fais pas attention à moi. Attends, par contre ça, on peut l'utiliser peut-être. Bonne époque, une bonne époque, 1996. En 2300, non, je serais mort en 2300. Parti. J'aime bien nos ailes maintenant. Ouais, c'est classe. Ça fait un peu aile mécanique et tout, c'est stylé. Ouh, une arène. On va voir. Parti. Alors c'est un boss et plusieurs monstres, comment ça se passe? Ok, des trucs volants. Je pensais qu'on allait devoir aller vers lui, mais en fait non. C'est pas fini. Très bien.
Merde. C'est juste en déplacement en fait. Enfin, je sprintais encore, je crois. Dégâts. Tu vas tomber. Ah, je pourrais m'envoler en fait. Tout va bien. Nickel. Ça va, le... Non, j'ai encore la potion d'activer. On va se bouger. Tellement mal. Ok, d'accord. Tiens. C'est bon, c'est bon. Ça va? Non, ça va, notre équipement pour multiples ennemis, là, c'est pas mal. C'est sûr qu'on fait moins de gros one-shot au début, là, mais le fait de toujours... Enfin, d'avoir le bonus de dégâts, là, quand on fait de l'étourdissement, parce qu'on en fait beaucoup. Notre attaque à la hache, ça fait super mal. Puis on a une très bonne défense, aussi. Donc, ouais. Non, je suis content de notre équipement, quoi. Les 3 sets là sont vraiment pratiques. Les 3 sets sont super bons. One shot, combat de plusieurs ennemis. Enfin, de combat en général. Et après, boss. Nickel. Extrêmement heureux. Il y a juste des armes qu'on pourrait changer. L'épée, bon, non, enfin l'épée c'est quoi? C'est boost d'attaque en esquive parfait. Ouais. Ça fait super mal. La tempête, c'est un meilleur H honnêtement pour le moment.
Dégâts des flèches, après là on a le... Genre 150 d'étourdissement, là, c'est super. C'est super 150 d'étourdissement. Elle est où là? Elle est là-haut. J'aime beaucoup l'enchaînement du gameplay, comme j'ai dit. Hein. Le fait de pouvoir passer de monture comme ça, de sauter, voler, planer, ressauter, rattraper la monture, attaquer. Super! Hein. C'est vraiment super! Là, on a une île pas explorée. La reine d'héroïsme, on l'a fait. Il y a une ambroisie là, sur une île un peu paumée. C'est là? Non, c'est pas là. C'est beaucoup... Ouah, beaucoup plus loin, dis-moi. Non, on peut pas faire ça. Je voudrais bien découvrir des armes, en fait. Tiens, on a qu'à aller là. Après, on a déjà du bon, hein, mais encore des nouvelles choses. On a quelques monstres. J'ai rien à leur balancer par contre. Ok. Vite, vite, vite. One shot. Ok, on passe en ça. Ah, je t'en. Est-ce que je peux parer en l'air? On peut parer en l'air, putain. Ah. Là on voit l'effet quand on a le bonus de dégâts pendant 6 secondes. Ça c'est bien aussi. Alors... Ah là, 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 là. Ah, oh, putain, il faut que je fasse un... Ok. Oh la vache. Ok, c'est bon. Oh putain. Tu veux que je fasse quoi avec ça? Je crois que ça, c'est les gros, ça.
Oh là! Attends, peut-être le mieux le mettre. Ça c'est les... Je crois que c'est les gros, et en théorie je pourrais pas... Casque hérissé. Je pourrais pas les porter au-dessus de ma tête, mais nous on a l'augmentation. Désolé, avec les combos d'achèvement. Non, c'est pas vraiment intéressant. Quoique maintenant on peut se mettre comme ça par contre. Parce que je crois qu'on a l'armure qui va avec hérissé. Ça me dit quelque chose. Ça, fais voir un peu. On peut se mettre comme ça, ça change un peu. Parce que nous on est depuis tout à l'heure, on est comme ça. Ça reste dans le côté bête. Comme ça. Parce que j'aime bien les yeux rouges en fait. Et l'armure du sanglier. Une peau de sanglier soit aussi acérée que les serres de lance-tension à vos dos. Voilà. Sympa comme ça. Ça change un peu. Il y aura plein de trucs sur cette île, mais je pense pas qu'on ait le niveau. Ouais, non, mais il y a sûrement un boss en plus. Je crois que ça ira. Doucement, doucement, reprends ton souffle. La question c'est où est-ce qu'on va? J'ai l'impression d'un truc, d'entendre quelque chose en haut. Ah, oui. Full vie. Le cas à monter là-bas avec les statues là. Ça a l'air intéressant. Après... Là, on va retourner au hall des dieux et faire nos augmentations. Enfin, où est-ce qu'on est? Honnêtement, on n'est peut-être pas censé être là maintenant. Parce que j'ai l'impression que c'est un truc d'histoire, ça. On est où? Ah ouais, d'accord. Ouais, mais non. Non, ça ira, je crois. Ah, il est là, le phénix. Le phénix. Enfin, on peut peut-être un peu avancer, mais... Ah, le palais d'Aphrodite. La silhouette la plus majestueuse de tous les édifices de l'île d'or.
Pour ce qui est des édifices, peut-être. Mais il y a une montagne que je trouve particulièrement royale. Ah, on peut pas y aller, ok. Non, je pense que ce sera plus tard. Ouais, on verra ça plus tard, parce que je pense que ça doit être... quête principale. Yes. Du coup, je voudrais faire ça. Je vais voir si on peut pas vite le faire. Sinon, on le fera la prochaine fois. Tu vas récupérer l'oiseau. Parce qu'apparemment, ouais, je pense que... C'est quoi, phosphore ? Je crois qu'il nous aide à combattre, en fait. Donc, on pourrait complètement être beaucoup plus puissant, j'ai envie de dire. Je peux pas me téléporter plus proche. Pas vraiment, en fait. J'aime bien aussi l'effet quand on est loin. Genre, c'est pas détaillé, on dirait un peu du shell shading, vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est du 2D. Non. Très bien qu'on puisse récupérer les pommes, enfin les grenades depuis les arbres. Enfin les grenades qui sont sur les arbres. Sans passer par le fait de les faire tomber. Genre le cheval passe et ça les ramasse. Bon, ça serait un peu pété, hein, mais... Par là. Est-ce que c'est une grotte? Non. Ouais, on monte petit à petit, quoi. C'est pas grave, allez, go. Là que je me rappelle combien c'est de potions de champignons pour faire une potion. Je crois que c'est 6. Donc du coup, si on doit pas utiliser 6 champignons, ça on utilise les champignons à la place. Si on doit utiliser plus de 6 champignons, on utilise une potion à la place. Attends, du coup, elle est où ta graine ? Donc, elle est pas là. Elle est là-haut. On va se concentrer sur la graine. Pas l'air fun, ça, on va pas le toucher. De la chance, on a
On va peut-être pas avoir besoin de combattre quoi que ce soit. Ça a l'air vénère ici. Oh, mais c'est quoi ces machins? Si faut, on doit pas être là du... Non mais je crois qu'on doit pas être là du tout en fait. Mais, peut-être qu'on peut récupérer l'oiseau et se casser. Yes. Ouh. Graine des morts. Je crois que c'est ça en fait le but, c'est de tracer. De tracer quoi. Attends. On va pas rester, hein, t'inquiète pas. On reste pas ici. Truc là ou pas? Non. Allez, retour à l'oiseau. Oh mon dieu, les machins, cassez-vous. Faut remonter. Pasque. Ça on était déjà allé. Hein. Attends, il y a quoi là-bas? Ah ouais, il y a un truc à faire là. Ah, maintenant il y a deux. Oui, ça, ça doit être un truc avec la harpe là. Yes, nickel. L'orgueilleux, j'ai... J'ai la graine. Désolée, petite. Viens, on va aller manger des nuggets. C'est moi qui paye. Oh, bah c'est pratique finalement. On peut se les faire ici, les nuggets. Salut à toi, l'orgueilleux. Plutôt prétentieux pour un oiseau qui se fait flamber par Typhon. Si votre excellence le permet. Je vais t'appeler Phosphore, en l'honneur de Phosphoros, l'astre du matin. Phospho dit qu'il est encore faible et qu'il doit reprendre des forces. Il aimerait t'offrir son aide lors de tes aventures pour te remercier de l'avoir sauvé. Et il adore le surnom que je lui donne. Mais oui que tu adores, n'est-ce pas, Phospho? Je t'avais dit que c'était la bonne décision. Aider un oiseau maléfique mort-vivant? Oui, bien sûr. Bon, je retire ce que j'ai dit. Tu avais tout à fait raison. Ce superbe oiseau propose de nous conduire à la salle du trésor secret de Dédale. Vraiment? L'inventeur de génie qui a construit cette île? En personne. Il dit qu'il y a un tas d'électrum avec mon nom dessus. Oh là. Ah oui, et il y a une autre graine des morts qui pourrait rendre notre ami Phospho plus fort que jamais. Ah, tu vois? Les bonnes actions engendrent à leur tour de bonnes actions. Qui l'aurait cru? C'est une question piège, parce que la réponse est clairement personne. Bon, deux indices mènent à la salle du trésor que nous devons trouver. Et par nous, je veux dire toi. L'un est près des eaux de dragon, l'autre de l'aqueduc. N'est-ce pas, Phospho? Il va se faire brûler. Je l'avais dit, il adore son surnom.
Du coup, on a une augmentation déjà de lui. Terminé, éclair inattendu. Nom de l'amour. Alors, apparence de fausse foi. Il est possible de personnaliser les fausses foi et d'avoir un apparence. Chacune a ses effets spécifiques sur un des pouvoirs divins de fausse foi. Ah, mais il est là. Ah, mais est-ce qu'il. Ah oui, genre, il a. D'accord. On a B maintenant. Ok, cool. Fais voir. Alors, c'est quoi ton attaque de base en fait? Ça, c'est le truc de base. Création de une orbe d'énergie en cas d'atteinte avec les attaques de phosphore. Ouais. Tendance à une main secourable. On s'assure un ami pour la vie. Un ami très ardent. Ouais, un peu inutile. Par contre, nous, on a débloqué ça. Phosphore de foot de Zeus. Il est joli en plus, comme ça. Très joli. Explosion de clone de phosphore et dégâts infligés égaux à 234. Hein. Si vous entendez un léger grésillement, pas de soucis. Il est ouf. Oh, le piaf. Bon. On va le tester. Ah, il l'a. Ah, il est un peu plus stylé maintenant. Je voudrais le tester, genre maintenant. C'est un peu des grosses bêtes là quand même à tester. Ah ouais quand même. Pourquoi j'ai mon endurance en rouge? Attends, pourquoi j'ai mon endurance en rouge? Parce que j'ai utilisé phosphore, ça? Ah oui, c'est vrai que c'est trois coups. Merde. Ah mais je suis teubé, je fais des tests. C'est pas très très puissant. C'est pas extraordinairement puissant, mais... Ça va. Un nouveau truc quoi. Par contre faut qu'il fasse plusieurs attaques pour que ça fasse vraiment de... Non mais ça, c'est pas grave. Non ça, ça va, c'est bien. Par contre faut faire gaffe, ouais on n'a pas de... L'endurance en fait baisse tant qu'il attaque, ou alors c'est parce que j'avais pas assez d'endurance, du coup ça me met en négatif. Je n'ai pas trop compris le système. Cinématiques à son arme. Cool. Si tu cherches à acheter quoi que ce soit, dis-le-moi. Tais-toi. Alors, fais-moi rêver.
Attends, là, ça devient intéressant, par contre. 175%... Non, enfin, 175 d'étourdissement, par contre, maintenant. Là, ça devient intéressant. Ça, on s'en fout. Les épées, on s'en fout pour le moment. Là, ça serait... Non, on va garder pour les potions, parce que c'est les potions qui nous sauvent, honnêtement. Ouais, non, là, ça devient pas mal. Ce qu'on a vu, c'était quoi? Ah oui, le boss. Enfin, le boss et certains monstres, en fait. Le fait de leur faire de l'étourdissement, ça les fait tomber et tout ça. Non, non, c'est vachement bien, cet arc est vachement pratique. Enfin, c'est pas celui-là. Là, on a 26 ans avec les gars de flèche première. C'est celui-là, je crois. Celui-là, non. Tir chargé, fait 175 d'étourdissement. Ça, c'est vachement bien. Pour les boss, pour les monstres. Enfin, les combats en général. Alors, nous, on avait dit que... On voulait... Qu'est-ce qu'on voulait faire? Ça. On a pas mal de potions bleues. Enfin, on a pas mal de champignons. Je crois que ça a cette couleur qu'on fait toutes les couleurs des potions en fait. Couleur or là. Pas fini. On a 4. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah oui, c'est ça. C'est vrai que ça pourrait être pas mal en fait. Après, je me suis dit, ça, est-ce que un bond vers l'avant, frapper à 5 reprises tous les ennemis situés sur le page, inflige jusqu'à 172 de dégâts et 255 d'étourdissement. Alors, on va peut-être économiser pour ça, ça a l'air vraiment pas mal. Ah, tiens. Phosphore pique sur un ennemi, frappe 3 fois, inflige. Mais attends, c'est ce qu'il nous fait déjà. Deux fois, j'ai une onde de choc. Oh, grâce au pouvoir phosphore, rendez-vous invisible aux ennemis sur ce que vous attaquiez, sautiez, subissez des dégâts, vous redressiez, allez, tout en rendement accroupi. Oh putain, c'est bien ça! Oh, on peut créer un leurre de phénix. Tu? Ça, c'est quoi? Contrôler la vitesse des flèches d'Apollon. Putain, ça aussi, il va nous en avoir besoin pour. Pour les des énigmes, j'imagine. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Ah bah putain. On a des trucs neufs. Ah oui, par contre. Ok, phosphore, il change pas. Et ça marche. Ouais, 26% de dégâts, c'est pour ça qu'il est en vert en fait. Qu'est-ce qu'elle est bien cette armure, je crois que jamais on la changera. Je veux pas dire, mais vu les dégâts amoindris qu'on prend quand on l'a équipée. Rejoindre le portail, ça marche. Bon allez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. On a bien, bien avancé. Je suis super content. Ça se passe super bien. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.